voulais tout simplement vous remercier d'être venu m'apporter votre aide au moment où je reprends le flambeau. Et votre amitié. Quoi? Votre aide et votre amitié. Ah bon, tu crois? Je suis sûr. Mais tâchez d'être à la hauteur de cette lourde responsabilité et j'espère... que nous continuerons tous ensemble à faire progresser notre entreprise avec le même courage et le même entrain que sous la direction de mon prédécesseur. Chers amis, je voudrais vous dire tout de suite que je n'ai pas préparé de discours. Je sais bien que cela peut paraître un peu original, ou même curieux pour quelqu'un qui passe son temps à améliorer la communication par toutes les techniques possibles. Non, je voulais vous remercier d'être venu m'apporter votre aide et votre amitié le jour où je reprends le flambeau de mon père, Monsieur Roger Baumann. Je vais tâcher d'être à la hauteur de cette lourde responsabilité. Et j'espère que nous continuerons tous ensemble à faire progresser notre entreprise avec le même courage et le même entrain que sous la direction de mon prédécesseur. Cependant, il y a une personne à qui je désire associer cet instant, personne à qui je dois beaucoup, qui sait m'encourager quand je doute et me faire douter quand je m'aveugle. Une personne qui allie l'intelligence et le cœur. Et cette personne, c'est vraiment quelqu'un. Ou plutôt, quelqu'une. C'est ma femme, Louise Baumann. Tu veux boire? Où es-tu? Je vais chercher Pierre. Pierre, au centre de vacances. J'ai pris mon billet, le train part à 9h. Non, ne t'inquiète pas. Tout se passera normalement.
Non, papa. Centre de vacances, la maison heureuse. Bonjour, pourrais-je parler à Pierre Bowman, s'il vous plaît? Tu me parles toujours de ton père et ta mère. Ma mère, c'est une perle. Ça, je parie que c'est encore ton père qui l'a dit. En tout cas, t'as de la chance. Parce que moi, ma mère, c'est un vrai courant d'air. Ouais, bah ta mère, on en aurait bien besoin en ce moment. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, n'importe quoi. Hein. Pierre, au téléphone! Ah, excuse-moi une seconde. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Martha chérie, nous sommes endeuillés par la mort accidentelle de mon gendre. C'est une terrible douleur pour tous. Aujourd'hui, Pierre va être mis au courant. Je crains terriblement sa réaction. En 40 ans d'enseignement, j'ai rencontré des enfants qui admiraient leur père, mais jamais à ce point. Pas avec toi? Non. Où il est? Au centre. Il fait des conneries. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Comment ça, rien? Tu n'as pas vu Pierre? Si, mais lui m'a pas vu. Tu ne veux pas le prévenir? Pas maintenant. Pourquoi est-ce que tu y es allé alors? J'ai changé d'avis, c'est tout. Louise, l'enterrement a lieu demain. Il faut bien qu'il assiste à l'enterrement. Tu ne vas pas le lui cacher, c'est absurde. Je lui dirai quand il rentrera à Strasbourg. Je vois pas ce que ça changera qu'il assiste ou pas à l'enterrement. Mais tu es folle, cet enfant doit être là, c'est évident, c'est son père. Je veux pas lui en parler maintenant, c'est clair? Il faut prévenir cet enfant. Tu entres? T'es complètement folle. Princesse.
un moment très douloureux, Monsieur Weber. Louise est prête. Oui, donnez-vous la peine d'entrer. Asseyez-vous. Non, ça ira, nous n'allons pas nous asseoir, merci. Je voudrais être près de mon fils le plus vite possible. Où est Pierre? Pierre n'assistera pas à l'enterrement. Comment ça? Je ne comprends pas. Pierre n'assistera pas à l'enterrement. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Allez me chercher mon petit-fils tout de suite. Il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Louise veut attendre le retour de Pierre, le retour normal de Pierre. Le retour normal de Pierre? Mon fils meurt et il faut attendre le retour normal de Pierre? C'est incroyable. Vous l'avez laissé faire ça. Vous, un homme qui avait enseigné pendant des années. Et toi, dis quelque chose. On ne peut pas laisser passer ça. C'est ton fils, c'est ton petit-fils tout de même. Calmez-vous, Madame Baumann. Calme-toi, Elisabeth. Ça ne sert à rien de t'énerver. C'est trop tard maintenant. Pauvre Jacques. Tu sais quoi, je vais te le présenter, mon père. Comme ça, tu pourras plus dire que je te baratine. Et papa, il n'est pas là? Il assure la promotion de son nouveau prototype. Et oui, c'est ça. Bonjour, mon Pierre. Pierre m'a parlé de toi dans ses cartes postales. Et ta mère, elle est pas là, dis donc? Ben non, toujours à la bourre. Ça t'embête pas si on attend un peu avec elle? Ça t'embête pas, hein? Non, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ne te fais pas de soucis, elle devrait plus tarder maintenant. Vous savez, je m'en fais pas. J'ai l'habitude de rester seule à la maison de ma mère, c'est un vrai courant d'air. Bénédicte! Oh, ma chérie! Oh, je suis vraiment désolée. Je suis à la bourre encore une fois. Mon bus a chopé tous les embouteillages. Oh, ma chérie! Oh, je vous ai fait attendre tout ce temps-là. Est-ce que c'est vous qui gardiez les enfants? Ah non, pas du tout, je suis la maman de Pierre. Oh, c'est toi, Pierre? Je suis contente de te connaître. Sur toutes les cartes que j'ai reçues, Bénédicte me parle de lui. Pierre m'a dit ça, Pierre a fait ça. Oh, ma chérie. Ravie de vous connaître. Je suis Julie Beck. Louise Baumann. Bonjour. Je peux vous accompagner si vous voulez. Ah, c'est très gentil. Malheureusement, on rentre pas tout de suite. Ça va être compliqué. Mais Bénédicte est peut-être fatiguée, non?
Elle, non, il lui en faut plus que ça. Elle en a vu d'autres, hein, chérie, que je t'en fais voir toutes les couleurs. Non, on va se dépêcher d'y aller. J'ai un rendez-vous d'affaires important, je ne peux pas le louper. Non, non, vous en faites pas, on va se débrouiller comme deux grandes filles. D'ailleurs, j'ai déjà repéré le 181. Il passe toute une demi-heure. Et vous allez à votre rendez-vous en bus? Vous avez quelque chose contre les transports en commun? Ah non, non, pas du tout, non, je pensais simplement... Enfin, j'aurais pu garder Bénédicte le temps de votre rendez-vous, c'est tout. Il était temps d'arriver, je commençais vraiment à avoir mal au cœur. Papa, il conduit vraiment beaucoup mieux que toi. Hein. Bon, bah, j'espère que ma mère va plus tarder. Hein. Bah, sinon, tu dormiras ici, dans le salon. Ouais. Madame, je peux vous poser une question? Oui. C'est quoi votre métier? J'ai pas de métier. Ah bon? Ah, parce que ma mère a des tas de métiers. Change tout le temps de métier. J'y comprends rien. Bah si t'as un métier, t'es prof de français. Oh, mais c'est loin, ça. Et puis j'ai seulement enseigné un an. Elle a même une agrégation. Mais pourquoi vous travaillez plus? Parce que mon père gagne assez d'argent. Alors ma mère, ça l'intéresse pas. Louise, tu as parlé à Pierre? Non. Il ne faut plus attendre. Mais comment veux-tu que je fasse? On m'a donné une petite à garder, je vais pas la mettre à la porte quand même. Bon, tu viens embrasser Pierre? Non, non, je repasserai à un autre moment. Je comprends. Non, non, non. Non, non, aucun problème, je vous assure. D'accord. À demain. Non, non. Au revoir. C'est ma mère. Ce rendez-vous n'était pas à l'heure. J'en étais sûre. Désolée de vous déranger comme ça, en pleine nuit. Non, c'est pas grave. Votre rendez-vous s'est mal passé. Oui, oui, très mal. J'aurais dû me méfier. La chance et moi, on n'est pas copines. Est-ce que je peux récupérer ma fille? Maintenant? Oui. Vous ne croyez pas que ce serait mieux de la laisser dormir? Non, non, ça va, c'est bon. Oh. Jamais j'aurais dû accepter un rendez-vous le jour où tu revenais de vacances. Désolée pour tout le dérangement, c'est pas correct de venir au milieu de la nuit. Si un jour, vous avez besoin de parler à une personne comme moi qui en a tellement bavé que ça l'a rendu lucide, vous pensez à moi? Merci.
Bonne nuit. Bonsoir. Matin, 9h. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. Bénédicte est venue dormir à la maison. Et je vais tout de suite acheter des croissants et des fleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la vois, mon cœur se serre. Cet ascenseur, je t'en prie, je vais t'expliquer. Pierre, j'ai pas pu te parler. J'ai pas pu. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pierre, sors d'ici, tu peux pas rester là. Pierre, je suis ta maman. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te parler doucement. Mais pas comme ça, pas ici, pas sur le palier. Pierre, viens ici, je t'en prie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ton père est mort, Pierre. Non. Comment? Dans un accident de voiture. C'est pas vrai! Il conduit bien, le papa! Il est pas mort! Il est pas mort! Pierre, c'est pas lui! C'est pas de sa faute! C'est un camion qui lui a refusé la priorité! Tu comprends? Tu comprends? Non! Il conduit bien, le papa! Il est pas mort! Il est pas mort! Lui apporter des fleurs.
Laisse-moi. Je vous ai suivi. Allez, viens maintenant, il faut rentrer. Les fleurs. C'est moi. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue sur sa tombe. Elle est morte quand j'avais 7 ans, c'est ça? J'aimerais qu'un jour tu me parles d'elle. Martha chérie, ici nous vivons dans la peine. Pierre refuse de parler à sa mère qui ne sait pas elle-même trouver la bonne manière de lui parler. Pierre, est-ce que tu te rappelles de la fable du porc-épic ? Je vous l'ai raconté quelquefois en classe quand vous vous querelliez avec un copain. Écoute. Un jour d'hiver, plus rude que les autres hivers, deux porcs épics transis de froid se pressaient l'un contre l'autre pour se réchauffer. Comme tu sais, le propre du porc épic, c'est de piquer. Alors, l'un contre l'autre, tu imagines. Naturellement, comme ils en avaient un peu assez de se piquer, ils se séparèrent. Et alors, qu'est-ce qui arriva? Ben, ils eurent froid, bien évidemment. Après plusieurs essais et pas mal d'efforts de part et d'autre, ils trouvèrent la bonne distance pour se donner de la chaleur sans trop se piquer. Sur toi parce que je t'emmène quelque part. Je dis pas où, c'est une surprise. Il y a plein de nouvelles attractions en plus. Je sais plus qui m'a raconté ça ou si je l'ai lu dans un magazine. Mais il paraît que c'est à couper le souffle. Ça s'arrange pour ta maman? Oui, enfin oui et non. J'y comprends pas grand chose. Parce que la dernière fois, elle avait l'air embêtée. Oh oui. Tu pourrais venir dormir à la maison si tu veux. Merci madame. Mais vous savez, peut-être que ça fait pas plaisir à Pierre. Pierre, tu peux répondre à ton ami au moins.
Ouais, ça me fait plaisir. Très peur. Bon, on a besoin de se détendre, hein, maintenant. Non, rentre. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Tout va tellement mal qu'on va forcément se réveiller. Ben pourtant, moi, j'arrive pas à me réveiller. Il faut que tu penses à autre chose, Pierre. Faut pas que tu te laisses aller, sinon je te jure, tu vas craquer. Je sais pas, moi. Pense à la rentrée? J'y arrive pas. Depuis que je suis tout petit, j'y pense à la mort. Mais pas pour mon père. Le mien est mort quand je suis née. Il n'est pas mort, il est parti. Qu'est-ce que ça change? Bon, je te sers? Non, j'ai pas envie. J'ai le ventre complètement noué. Mais toi, t'en veux pas? Tu rigoles? J'ai pris 2 kilos et tout dans les fesses. Et puis, de toute façon, faut que t'apprennes à vivre sans lui. T'as quand même un peu de chance, ta mère, elle s'occupe tout le temps de toi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour te consoler, pour t'aider. Elle est vraiment gentille, tu sais. Tiens, regarde le goûter qu'elle nous a offert. Oh, et puis crotte, hein. Qu'est-ce que c'est bon. Et dire que ça s'appelle des religieuses. T'as déjà mangé des pains de nonne? Tu lui en veux encore pour l'enterrement? Oh, il est plus de 5 heures! Ah, je vais me faire attraper si je suis à la bourre! Bon, salut Pierre! Ma mère, elle est folle dingue! Ça coûte vachement cher ces cours de claquettes, tu peux pas savoir! À propos de Ginger Rogers, remarque, ça me fera passer les calories de la religieuse de chocolat, hein. Elle est en train de tout jeter. Quoi? Je comprends rien. Qui est en train de jeter quoi? Maman, elle jette tout ce qui était à papa. Ses papiers, toutes les affaires de toilette. Elle n'a pas le droit de faire ça. Mais calme-toi, Pierre. Elle n'est pas en train de jeter les affaires de ton père. Elle est en train de les ranger. C'est différent. C'est pas vrai. Allons, Pierre, ne fais pas l'enfant. Tu crois que ça lui fait plaisir à ta maman de te voir toute la journée assis derrière le bureau de ton père à fouiller dans ses affaires, à mettre ses chemises pour dormir? Tu crois que c'est comme ça que vous allez apprendre à revivre? Ton papa, il est dans notre tête. C'est là qu'il est le plus vivant. Tout le reste n'a aucune valeur. De toute façon, vous êtes tous pareils. Vous en avez plus rien à faire de mon père. Vous voulez plus penser à lui. Tu ne dis rien? Je n'ai rien à dire.
foyer, vase de séchant d'eau, 3 chambres, une salle de jeu, cuisine équipée, 2 salles de bain, toute commodité, proche commerce et collège Albert Camus. C'est quand même bien, tu seras à 2 pas du collège. T'as même pas à prendre le bus. Bénédicte, c'est Madame Baumann. Est-ce que Pierre est chez toi? Bon, écoute, si jamais il t'appelle, tu me préviens tout de suite, d'accord? Non, 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 c'est rien, ça va s'arranger. Merci. Je vais prévenir la police. Attends un peu, il est peut-être allé chez un copain. T'as raison, je vais attendre. Allô? Il est chez vous. Bon, c'est très bien. Non, ça n'est pas très bien, Louise. Ça n'est même pas bien du tout. Je ne comprends pas votre attitude. Vous devriez manifester plus de tendresse pour cet enfant, plus d'attention. Au lieu de ça, vous n'écoutez que vous-même. Pardon? Parfaitement. Pierre m'a tout expliqué. Vous voulez prendre la place de Jacques. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de cette manière que les choses s'arrangeront. Si Pierre veut rester attaché au souvenir de son père, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'en empêcher. Vous avez déjà très mal agi pour l'enterrement. Et vous continuez, par vos maladresses et vos égarements. Madame Baumann... Elisabeth. Je reste Elisabeth, Louise. Elisabeth, vous n'avez pas de conseils à me donner. Eh bien, ce que nous avions décidé avec Roger, de ne nous mêler de rien, absolument de rien. Vous nous avez toujours tenus à l'écart de tout. Malgré tout ce que Roger a fait pour vous... Seulement cette fois, trop c'est trop. Puisque Pierre est venu se réfugier chez nous... Ouais, n'exagérez pas non plus, hein. Comment appelez-vous ça? Un enfant en larmes qui vient chez ses grands-parents parce qu'il n'en peut plus de supporter vos manières de faire. Est-ce que je peux lui parler? Évidemment. Pierre n'est pas retenu en otage. Pierre, ta mère veut te parler. Allô? Pierre? Oui. Excuse-moi, Pierre. Je pensais pas te faire du mal. Pas une seconde. Oui. Tu veux que je vienne te chercher? Non. Pourquoi? Pas envie. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment voulez-vous qu'il sache ce qu'il va faire, puisqu'il est totalement perdu? Confiez-le-nous pendant quelques jours, et vous verrez que tout ira mieux. Tu es d'accord, Pierre? Il est d'accord. Bien. Dans ce cas, je viendrai le chercher dans 2 ou 3 jours. La semaine prochaine, ce sera très bien. Il faut que Pierre soit en forme pour la rentrée. Ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu à dormir à la maison. Quoi? Attendez, Louise. Mon mari me parle, je ne comprends rien. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? La réunion du conseil d'administration.
Tu es malade, je ne suis pas sourde. Mon mari me demande de vous rappeler qu'il y a une réunion du conseil d'administration pour la succession de Jacques à la tête de l'entreprise. J'ai pas oublié, merci. À bientôt, Louise. Après tout, ce sont aussi ses grands-parents. J'ai perdu mon mari et maintenant j'ai l'impression de perdre mon fils. Qu'est-ce que tu as ? Rien, rien du tout. C'est pas la première fois qu'on se retrouve tout seul comme ça. C'est à ça que tu penses. J'ai oublié, moi, parce que c'est loin. Et puis parce que tu m'as aidé à oublier. Mais pour toi, j'imagine que c'est toujours présent dans ta tête. Pourquoi tu me parles si rarement d'elle ? Tu sais, j'ai retrouvé le vieux carton à chaussures où je mets toutes mes photos. Depuis le temps que je dis que je dois les coller dans un album et que je le fais pas. Bah, c'est peut-être parce que j'ai l'impression que dans le désordre, elles sont plus libres, plus vivantes. Ça doit être ça. Tu veux bien que je te les montre? Il y a plein de choses que j'ai oubliées et j'aimerais que tu m'en parles. Comme ça, on se sentira moins seul. Pas vrai? Vrai, princesse. Ça devait être en 61-62. Et t'en souviens sans doute pas, c'était notre premier appartement de fonction. Et là? Là, tu avais 6 mois. Tu es sur les genoux de ta maman. Elle avait pour toi une adoration. C'est elle qui t'appelait sa princesse. Son plus grand plaisir, c'était de te coiffer, de t'habiller. J'ai une trompe de tête sur cette photo. Qu'est-ce que c'est que j'ai dans les cheveux? Un gros nœud rouge. Tu en avais... pourtant de toutes les couleurs, mais toi, non, tu n'en voulais pas d'autre. Le rouge, toujours le rouge. T'as remarqué qu'on voit jamais mes yeux sur les photos? Ah, tu as toujours été très sage et très timide. C'est ça qui me choque, justement. J'ai l'impression de jamais avoir grandi. J'ai été une petite fille sage, une adolescente sage, une épouse sage. J'ai parfois l'impression de pas avoir de personnalité. De quoi elle est morte, maman? Ta mère a toujours été fragile. Belle, intelligente, mais fragile. Elle avait son diplôme d'institutrice, mais n'a jamais enseigné. Et elle avait peur de se laisser déborder par les élèves. Tu n'as pas répondu à ma question. Un jour, elle est tombée gravement malade. Tu tiens vraiment à ce que je te raconte tout ça? Oui, je tiens. Un cancer. On a fait tout ce qui était possible pour la guérir, mais elle est morte en quelques jours. Est-ce que tu l'aimais? Ben oui. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Femme, c'est qui, Eva? Une amie, Martha. Ça remonte très loin. Tu sais ce qu'elle est devenue? Non. Ça fait des années que je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Alors c'est normal que je la connaisse pas. Thank you.
septembre. Je suis perdue. J'ai l'impression que plus personne ne me comprend. Papa, si tu m'entends là où tu es, parle-moi, dis-moi quelque chose. Il faut que tu m'aides. J'ai lu quelque part qu'on pouvait faire parler les morts sur des cassettes. Toi qui es le plus fort dans ce truc de communication, tu dois bien arriver à me joindre. Je t'en supplie, dis quelque chose. Je laisse la bande défiler. Alors, vous aussi, vous avez une 106? Oui, je l'aime. Tellement jolie, confortable. Et fiable, en plus. Ah, c'est l'idéal. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Oh, s'il vous plaît, le sucre. La vie serait moins rose sans Daddy. Nivea Crème hydrate votre peau. Nivea Crème nourrit et protège votre peau. Nivea Crème adoucit votre peau. Indispensable Nivea Crème. Attention, à Beethoven peut en cacher quatre autres. Ils mangent tout le temps. Ils se faufilent partout. Ils font des bêtises, grosses comme eux. Mais rassurez-vous, en vidéo, ils sont sages comme des images. Beethoven 2, enfant en vidéo. À regarder assis, couché, debout. Je me souviens de l'odeur du rouge à lèvres. Je me souviens de l'odeur du pain d'épices. Je me souviens de l'odeur des rues de Paris. Mais mon meilleur souvenir reste celui de l'odeur du café fraîchement torréfié. Et aujourd'hui, le café grand-mère, parce qu'il est torréfié juste à cœur, me donne toute cette saveur. Café grand-mère, s'il est torréfié à cœur, c'est pour être meilleur. Les mecs, ils adorent nos formes. Oui, enfin bon, jusqu'au jour, ils adorent plus du tout. D'accord? Alors les filles, si vous voulez perdre du poids, c'est là qu'intervient le programme SlimFast. C'est très simple. Vous mélangez une dose de SlimFast à du lait écrémé, c'est plein de vitamines et de minéraux, c'est aussi nourrissant qu'un repas équilibré. C'est super bon. On en prend un le matin, un midi, et le soir, on garde un vrai dîner. Enfin, raisonnable, hein, le dîner. Mais surtout, ça marche. Moi, j'ai vraiment fondu, regardez. Alors, gourmande comme je suis, si ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. SlimFast, essayez et vous perdrez du poids. Sac Ziploc congélation et multi-usage, totalement hermétique, totalement hygiénique. Choisir Albal, c'est une question d'hygiène. Né du soleil, sa peau est dorée, tendre, finement fruitée, gorgée de soleil, folle épine, une folle envie. Depuis des années, la réputation de notre auberge est l'orgueil de ma famille. Alors, je veux que tout soit parfait. Mais avec ce qui se passe dans une cuisine, taches de graisse et autres, ou en salle, c'est vraiment difficile d'être impeccablement propre. Bien sûr que j'ai essayé plusieurs lessives. Mais en vérifiant mes nappes, je retrouvais souvent des traces. C'est inacceptable. Jusqu'au jour où j'ai adopté Ariel Ultra. Sur des taches difficiles comme chocolat et vin, quand d'autres lessives peuvent laisser des traces, avec Ariel Ultra, c'est impeccable sans avoir à relaver. Maintenant, je suis sûre que tout est parfait. Tout mon linge est impeccable, et ça, c'est aussi important que la qualité de ma cuisine. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Notre chien, il est en forme et ça se voit. Le poil brillant, le corps robuste, de bonnes dents, l'œil vif et une formidable énergie. Canigou, c'est 5 preuves de vitalité et chaque jour, l'assurance d'un bon repas complet. Canigou, 5 preuves de vitalité, une preuve d'amour.
Que peut bien faire une aussi jolie jeune femme à une heure aussi tardive? Ne répondez pas, je le sais. Elle cherche l'homme de sa vie. Seulement voilà, elle marche tellement vite qu'elle est passée à côté de lui sans même le remarquer. Et si elle accélère encore, elle risque de le perdre. Et ce serait dommage. Je me présente. Benjamin Collot. Ni ange, ni bête. Et homme. Non, mais n'ayez pas peur. Avant moi, il y a eu François Villon. Et ça n'empêche pas d'être aujourd'hui dans tous les bouquins de poésie. Alors, comment vous appelez-vous? Non, mais ça va pas, non, mais vous plaisantez. Benjamin Collot n'est pas un mendiant. Benjamin Collot est l'homme de votre vie. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Vous savez quoi? Je vous respecte, madame. Je vous respecte. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes respectable. Adieu, jolie princesse. T'as loupé ton prince. Madame, réveillez-vous. On ferme, la séance est finie. J'adore. Quelle heure est... Madame Baumann? Ça alors, si je m'attendais à ça. C'est qu'il est... Il est 11h et des poussières. Vous m'excuserez, mais je dois vérifier toutes les allées. On ne sait jamais s'il y avait une bombe. Mais vous travaillez ici? Entre autres, oui. Depuis 10 ans. Bon, c'est pas un mauvais boulot. Enfin, ça pouvait aller jusqu'à maintenant. Le métier, c'est plus ce que c'était depuis qu'ils ont installé tous ces distributeurs. Ouais, j'aurais pu l'occasion d'exercer mes talents d'actrice. Caramel, glace, bonbons, pop-corn. Ouais, tout ça, c'est fini. C'est bien beau, mais sérieusement. En nous coupant le sifflet, vous ne trouvez pas que c'est le cinéma et son histoire qu'on assassine? Bénédicte ne m'avait pas dit que... Oh. Regardez ça. Encore un qu'on a oublié. Ça, c'est du Hitchcock. C'est le Hitchcock de base. Le pire, c'est la fois où j'ai trouvé une chaussure. C'était une chaussure d'homme du 43. Non, mais vous rendez compte, une chaussure. Et rien qu'une, hein. Personne ne s'est présenté pour la réclamer. Oh, il a dû se sentir tellement honteux qu'il n'a pas osé. Bénédicte... Bénédicte est une fillette très discrète. Bon, eh bien, je ne vois rien à désamorcer pour ce soir. Il fallait amener votre fils. Il est drôle, ce film. Je suis sûre que ça lui aurait plu. Je ne sais pas, j'ai dormi. Mais Pierre est chez ses grands-parents paternels, de toute façon. Ça, c'est bien. En tout cas, j'espère qu'ils auront l'occasion de le voir. Tous les deux. Oh, ils s'entendent bien. Oui, c'est ce que je pense aussi. Bon, Madame Baumann, à bientôt. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant? C'est-à-dire que je n'ai pas encore tout à fait fini de travailler. J'ai fini mon service. C'est pas trop difficile? Je sais pas encore. C'est juste ma deuxième soirée. Je voulais pas le faire, ce boulot. Ouais. Mais vu la situation, il a bien fallu que je me fasse une raison. Qu'est-ce que vous voulez, les clubs de loisirs de Bénédicte avec canoë et kayak et tout le bastringue, ça coûte cher. Vous vous souvenez de mon rendez-vous d'affaires? C'était juste le jour du retour des petits. Oui. Eh bien, c'était justement pour ce boulot. À ce moment-là, je jouais encore les fiers. Il voulait absolument m'engager, mais je lui ai claqué la porte au nez. Parce que c'est pas dans mes habitudes
de circuler les fesses en bandoulière. Mais comme j'ai pas trouvé de travail depuis, alors ma fierté, je l'ai mise dans ma poche et je suis revenue ici. Excusez-moi, maman, je reviens. Que désirez-vous ? Vous-même. Que faites-vous ce soir après votre travail ? Franchement, je ne pense pas que ce soit vos oignons. Et puis si vous cherchez à tirer un coup, il faut vous adresser ailleurs. Pauvre type. Je dois absolument attraper le 212. Si jamais je le rate, faut que j'attende celui de 5 heures. Et pourquoi vous ne prenez pas un taxi ? Il y a une station juste à côté. Ah non, mais vous rigolez ? Vous voulez que je claque en moins de 10 minutes ce que je mets une heure à gagner ? Je vous raccompagne. Taxi ! Avec Pierre. Il me supporte plus. Mais je sais plus quoi faire. Depuis que Jacques est parti, je les accumule. Ça vous dérange ? Non. Il faudrait comprendre pourquoi vous avez bloqué. Quand vous vouliez lui dire que son père était mort. Peut-être que... Vous avez peut-être un traumatisme dans votre tête, Jean Hitchcock. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Je vois pas autre chose. Oui, mais ce traumatisme-là, vous avez dû le digérer. Votre père a été exemplaire avec vous. Il vous a élevé, pour ainsi dire, comme une mère. Et il ne s'est jamais remarié. Ça, c'est tout de même assez étonnant. C'est quelqu'un de normal. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas malade. Je peux vous poser une question indiscrète? Avec votre mari, vous n'étiez pas frigide, genre coincé? Mais pourquoi vous me demandez ça? Chez Hitchcock, c'est quelque chose de basique. Quand il y a un traumatisme, ça rend frigide. Mais je sais pas où. J'ai connu un seul homme dans ma vie. C'est pas vrai? C'est une blague. J'arrive pas à y croire. Vous êtes spéciale, vous? Quoique, finalement, quand j'y pense, pour ce que ça rapporte. On se donne d'abord l'illusion de la tendresse. C'est-à-dire juste le temps des préliminaires. Enfin, quand il y en a, c'est pas souvent. Mais après, on espère que la fermeture éclair se refermera très vite pour... Pour oublier ce qui s'est passé. Je me demande si votre père ne vous a pas caché un truc. Et ce truc-là, il est dans votre tête. C'est ça qui vous a bloqué. Je comprends pas. Laissez ça, va. Peut-être que c'est idiot ce que je dis. Moi, j'ai jamais fait d'études.
lait, des œufs. Madame Bouma? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Bonjour, Bénédicte. Bonjour, madame. Vous avez dormi ici? Oui. Quelle heure est-il? 9h. Mon réveil sonne à 9h. Quelle heure tu dis? 9h. Oh, je suis en retard. Alors, passe-moi mes affaires. Vous voulez boire un café, chef Fer? Non, non, mais j'ai pas le temps. Non, pas ma puce. Et Pierre, ça va? Pourquoi il m'appelle plus? On se connaît? Non, je ne crois pas, non. Vous savez où je pourrais trouver un taxi par ici? En attendant d'envisager une autre solution. Vous détenez la majorité des parts selon le vœu de Jacques. Alors je compte sur vous pour appuyer ma candidature. Et puis je crois bien connaître la maison pour l'avoir dirigée plus de 30 ans. Je pensais avoir dépassé l'âge, mais la mort de mon fils m'a redonné l'envie de me battre. Il ne faut pas laisser tomber l'affaire, n'est-ce pas? Ton papa. Nous le sollicitions beaucoup pour qu'il utilise toutes ses capacités. Est-ce que tu as le sentiment que ta mère te sollicite, toi aussi? Tu sais, il faut que tu aies une bonne éducation. C'est la seule manière aujourd'hui de s'en sortir. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Il ne suffit pas d'appartenir à un bon milieu, il faut t'en vouloir. Tu es inscrit dans quel collège? Albert Camus. Ah, il n'y avait pas une solution meilleure? Je connais de très bonnes institutions catholiques à Strasbourg. On n'a jamais pratiqué la religion à la maison. Non, c'est pas la question. On y est autrement éduqués. Tous mes copains vont à Albert Camus. Monsieur Weber, vous venez aux nouvelles. Je vous le passe. Pierre, c'est pour toi. Allô? Pierre, regarde par la fenêtre. Quoi? Par la fenêtre, regarde, je te dis. Je te vois. Je voulais te dire que tu me manquais, mon Pierre. Pourquoi t'es dans une cabine? T'as qu'à venir. Je voulais savoir d'abord si tu avais envie de rentrer à la maison avec moi. T'avais pas besoin de venir jusque-là pour ça. Je voulais te voir. Ah bon? Je viens te prendre? Non. On ira faire un tour. Il y a une exposition sur les reptiles, je sais que ça t'intéresse. C'est le dernier jour. Non, je préfère rester. Tu ne t'ennuies pas trop? Ah non. Mamie Elisabeth m'a prévu une tonne d'activités, j'aurais pas le temps de m'ennuyer. Et puis j'ai retrouvé les affaires de papa quand il était plus petit. J'ai même retrouvé une maquette qu'il avait faite. Tu verras tous les détails, c'est super. Je te laisse, alors. Tu veux pas venir voir la maquette? Non, non. Une autre fois. Une autre fois. À bientôt, mon Pierre.
Si personne n'y voit un inconvénient, il serait temps de passer au vote à main levée. Notre entreprise ne peut supporter le moindre relâchement. C'est pas à vous tous que je vais apprendre combien la concurrence est rude. Madame Kiegemann me confiait tout à l'heure que nos principaux concurrents, inutile de les citer, ont déjà porté leur vue sur nos clients. Et quand ils vont apprendre que je reprends les rênes de l'entreprise, ils vont s'écraser doucement. Je vous le dis, moi. Bien. Que tous ceux qui sont d'accord lèvent la main. Louise. Louise, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée d'être le grain de sable dans l'engrenage. J'ai écouté avec attention le programme de Monsieur Baumann. C'est un programme construit, intelligent, ambitieux même, mais qui est sûrement en accord avec les volontés de Jacques. Malgré tout, je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement tout cerné. Je vous admire de prendre une décision aussi rapidement, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin d'un minimum de temps de réflexion pour peser le pour aussi bien que le contre. Quand vous avez perdu un être cher, vous regardez les choses d'un œil différent. Un œil sans concession. Merci à tous d'être venus. Ignoble. Qu'est-ce qui est ignoble? Pierre. Mets dans ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Louise Baumann s'est opposée à mon élection. C'est un scandale. Elle est arrivée à tiffer comme une chiffonnière. Elle a pris des grands airs de maîtresse femme et elle s'est sauvée comme une voleuse. Elle m'a humiliée. Quand je te le disais. Alors arrête de m'enfoncer, toi. Tu crois que j'en ai pas assez supporté comme ça? Faut toujours que tu aies tout vu, tout su, tout prévu. Tu vas pas passer tes nerfs sur moi. En tout cas, il n'est pas question qu'il récupère Pierre. Je vais m'adresser à Maître Dreyfus, un juif honnête. Je ne peux pas confier la garde de cet enfant à cet irresponsable. Si tu l'avais vu. Je suis fière de toi. Tu es redevenu l'homme que tu étais. Je suis enfuie de chez mes grands-parents. J'avais besoin de te voir. Pourquoi tu pleures? Ma mère se crève à travailler. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de nous mettre les huissiers au cul. Je peux faire quelque chose pour toi? J'ai ta grand-mère au téléphone. Allô? Oui, c'était lui. Tout va bien. Vous souhaitez lui parler? Bien, alors au revoir, Elisabeth. Il faut aider Bénédicte et sa mère, on leur a enlevé tous leurs meubles. Ma mère, ça fait au moins 6 mois qu'elle n'a pas payé le loyer. En plus, elle a perdu son boulot. Maman? Julie,
Ils m'ont jeté dehors. Comme si j'étais une chienne. Ça, ils vous font de la lèche pour vous engager. Et après, ils vous crachent dessus dès qu'ils le peuvent. Julie, calmez-vous. Oh, j'ai rien pour vous faire asseoir et ils ont tout embarqué. Ça n'a aucune importance. Et tous des salauds. Ils ont eu aucun problème pour trouver une remplaçante. Ah ça, ils sont forts pour ça. Moi, je comprends pas. S'ils avaient besoin d'une pute à 5 passes la nuit et tout le bastringue, alors merde, pourquoi ils m'ont engagée? Où est le téléphone? Oui, dans l'autre pièce. Ils vont le couper, mais il marche encore. Ça va, maman? Oui, ma chérie, ça va. On en a vu d'autres, toutes les deux, ma chérie. On s'en est toujours sortis, pas vrai? Oui. T'es une super petite fille. C'est une sacrée bonne maman. Julie, je suis sûre que vous feriez une parfaite représentante. Qu'est-ce que vous voulez que je représente? Moi, vous savez, tout ce que je sais représenter, c'est mes jambes, c'est tout. Je suis sérieuse, hein? Ce serait pour vendre des instruments de communication. Ah, c'est pour ça que vous avez téléphoné? Et il y aurait des possibilités. Il faudrait que vous alliez voir de ma part M. Kaminski, c'est le chef du personnel. Il a toujours de bonnes idées. Et ce soir, vous venez dormir à la maison. Tu sais, c'est drôlement bien ce que t'as fait. Tu m'en veux plus, alors? Je sais pas. Pas encore. Je comprends pas encore tout ce qui se passe dans ma tête. On va rentrer à la maison se reposer, tu veux? Allô? C'est un sacré bonhomme, papa. Oui, Pierre. Pierre, je voudrais que tu saches que je n'ai jamais voulu le remplacer dans ton cœur. Je sais. C'est dingue, il avait toujours une histoire drôle à raconter. Tu te souviens comme je riais? J'en avais mal au ventre. Je regrette de pas avoir son humour. Pas grave. Et les charades? Il inventait tout le temps des charades. Tu t'en souviens? Je sais, il avait beaucoup d'imagination aussi. Il y en a une où je me faisais tout le temps avoir. Écoute. Mon premier marche par deux. Mon deuxième est un article défini masculin. Mon tout est féminin, rare et précieux. Non, je vois pas, non. Moi non plus, je voyais pas. Parce qu'à chaque fois, j'oubliais le piège. C'est pas évident, hein. Tu veux pas essayer de chercher? Écoute, Pierre, franchement, j'ai pas la tête à faire des charades maintenant, vraiment. Tant pis. Je vais t'expliquer la ruse. Normalement, mon premier marche par deux. Bon, là, c'est facile, c'est pair. Mon deuxième est un article défini masculin. Bon, sans être très fort en grammaire, on devine que c'est le. Mais attends la suite. Moi, comme un idiot, enfin, comme quelqu'un qui a oublié qu'il s'était fait prendre la première fois, je dis c'est perle, c'est féminin, rare et précieux. Et ben, tu sais ce qu'il me répond? Pas du tout. C'est maman. Parce que maman est la seule perle rare et précieuse. Tu peux pas savoir ce que ça m'énervait, ce truc. À chaque fois, je disais que c'était de la triche. Mais maintenant, je me dis qu'il avait sûrement raison. Tu sais, maman, il y a quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Tu ne mets pas ton bouquet sur la tombe de ton père. Je
Je voudrais aussi fleurir la tombe de ta mère. Là-haut, ils ont dû se retrouver, non? Les autres sont fanés. C'est quoi comme jour aujourd'hui? Mercredi. C'est bizarre. D'habitude, papy vient tous les mercredis en mettre des neuves. Qu'est-ce que tu racontes? Papy vient tous les mercredis au cimetière. Je le sais, je le vois par ma fenêtre. Ah ben, je savais pas. Il est discret. Quand il sort, il est un peu ému, nerveux. Il passe d'abord chercher des fleurs. Pas toujours les mêmes, ça dépend des saisons. Et puis il les met sur sa tombe. Il reste debout un long moment. Et la plupart du temps, il lui parle. Tu l'as suivi déjà? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'a toujours étonné, cette histoire de grand-mère dont personne ne parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui raconte tout ce qu'il fait. Il parle beaucoup de toi. Il demande tout le temps pardon. Je comprends pas tout. Mais quand tu reviens, il a l'air d'aller mieux. J'aurais peut-être pas dû t'en parler. Si, t'as bien fait au contraire. Papa ? Votre père? Oui. Il a fait un infarctus. Il est difficile de se prononcer dans l'état actuel des choses. Votre père est très faible. Il est possible qu'il ait subi un choc psychologique particulièrement éprouvant. Vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer? Non, je n'étais pas avec lui. Il était comment ces derniers temps? Mon père est mort il y a 15 jours. Je suis désolé. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, je vous l'assure. Je ne peux pas le voir. Non, je regrette. Au revoir. Les accumules, tu trouves pas? C'est une question de karma. Où c'est que tu vas encore chercher ça? C'est quoi le karma? Karma, en gros, c'est le destin. En plus, ça dépend de nos vies intérieures. Si on a fait quelque chose de pas très net dans une vie antérieure, ça nous retombe sur la figure dans la vie de maintenant. Ça veut dire qu'on aurait fait des horreurs dans nos vies antérieures? Peut-être bien, ouais. C'est débile, ce truc. Allô? Oui. Bien, j'arrive tout de suite. Je vous remercie. C'était? C'est l'hôpital. Mon père a demandé à me voir. Il dit que c'est la fin. Il faut y aller tout de suite. Surtout ne perdez pas de temps, Louise. Je m'occuperai des enfants. Vous m'avez même pas jeté un regard. Vous savez que ça me fait de la peine? Van Lerberg. Catherine Van Lerberg, vous vous souvenez? Celle qui se mettait de langue partout quand elle écrivait. Catherine, tu t'es encore mis de langue sur le nez. Maintenant, c'est plus de langue que je me mets partout, c'est du sang. On change finalement pas beaucoup. Je voulais vous dire, monsieur Weber, que si vous, vous avez déjà oublié, vous en avez vu tellement des enfants défiler. Moi, j'oublierai jamais le directeur d'école qui m'a prise dans ses bras le jour où mon père est mort et qui m'a dit les mots que j'avais envie d'entendre. Pour que vous alliez mieux, monsieur Weber, il le faut. Je suis au courant, c'est moi qui ai demandé qu'on vous fasse venir.
Assieds-toi. C'est bien d'être venu. Je voulais, comment dit-on, éteindre la lumière. Je voulais libérer ma conscience. Mais tu n'es coupable de rien, papa. Si, de te mentir. Depuis trop longtemps. Oh, ça ne m'a pas toujours gêné. Au début, c'est vrai, ça coûte, c'est pénible. Et avec le temps, les mensonges deviennent des secrets. Et les secrets, ça fait plutôt rêver. On en fait même des jardins. J'ai dû rêver trop longtemps. Cette femme sur la photo que tu m'as montrée, Martha, je n'ai pas cessé d'avoir des nouvelles d'elle. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'était ta maîtresse. Tu m'en as jamais parlé. J'avais honte. Ta mère n'est pas morte de cancer. Elle a mis fin à ses jours quand elle a appris ma liaison avec Martha. Elle s'est sentie incapable d'imaginer une autre vie, une vie sans moi et moi... Je ne me sentais plus capable de continuer avec elle. Tu peux me haïr, je ne t'en voudrais pas. C'est normal. J'ai essayé de te préserver tant que j'ai pu. Si ça peut t'aider à me pardonner, dis-toi que... Le jour où ta mère est morte, j'ai fait le vœu de ne jamais revoir Martha. Nous nous écrivons, voilà tout. C'était sacrifié. Non, c'est ta mère qui s'est sacrifiée. Je t'ai tout dit, je peux mourir. Un jour, peut-être, me pardonneras-tu. À présent, laisse-moi. Je t'en prie, Louise. J'ai sommeil. Il va s'en sortir, papy. Il peut pas nous faire ça. Pas maintenant. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et je crois que je t'en veux plus, maman.
mère était une femme de qualité. Henri la respectait profondément. Il y a des choses auxquelles on n'échappe pas. Quand votre mère est morte, Henri s'est senti coupable. Il a refusé de me revoir. Il a voulu vous élever seul. Ça n'a pas toujours été facile, mais il s'en est bien sorti. Vous pouvez être fière de lui. Je ne comprends pas pourquoi ce sacrifice. Il aurait pu vous épouser. J'aurais eu une maman. Et moi, une grand-mère? Tu en as une quand même. Ouais, si tu veux. Oh, Pierre. Il ne voulait pas salir la mémoire de votre mère. Je crois maintenant qu'il l'aimait, qu'il était amoureux autant d'elle que de moi. Vous croyez qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Je n'en sais rien. Il le pouvait, lui. Et après, j'ai respecté sa décision. Vous n'avez jamais cherché à le revoir? Oui, bien sûr, j'ai voulu le revoir dès que j'ai su que votre père n'était plus seul à prendre soin de vous et que vous étiez mariés. Oui, je suis au courant. Pour Jacques. Vous connaissiez Jacques aussi? J'ai reçu une lettre chaque semaine pendant 30 ans. Votre père m'envoyait toujours de longues lettres. Il vous racontait tout? Il me racontait ses joies, ses peines. Il m'écrivait tant de choses sur vous dans ses lettres que j'avais l'impression de partager votre vie et ainsi de faire partie de la famille, moi aussi. Il m'en a tant raconté sur vous deux, en 30 ans. Tenez, il ne m'a jamais quittée. Que je portais toujours dans les cheveux. J'ai un rancœur, salut. T'as compris quelque chose à l'info du temps? Non. En plus, on n'est jamais dans la même classe. À mon avis, tout ça, c'est un truc pour nous séparer. Et ta mère, elle est pas là, dis donc? Hein? Salut. Bonjour, Bénédicte. Alors, faites rentrer. Tu sais, faut pas en faire une montagne. Hein? On peut attendre la mère de Bénédicte, comme ça on la ramènera. Bien sûr. C'est pas la peine, il y a un bus direct. Mais elle t'a rien dit? Non. Elle m'a promis qu'elle serait là. Mais elle a beaucoup de travail, tu sais, maintenant. Ouais. Ah. Je suis désolée, je suis encore à la bourre. Non, je suis vraiment désolée, ma chérie. C'est gentil de m'avoir attendu un peu.
Je me suis plantée dans les bus. Non. Si, je t'assure, c'est la première fois que ça m'arrive et il faut que ça tombe aujourd'hui. Ça doit être à cause du karma. Hein? Quoi? Non, non. Il plaisante. Devinez ce qui m'arrive, Louise. C'est pas croyable, je me retrouve classée numéro 3 de toutes les ventes. Vous savez en combien de temps? À peine un mois. C'est formidable. Ah, je sens que c'est parti sur des chapeaux de roue. C'est à vous que je dois tout ça. Je suis heureuse pour vous, Julie. Merci. Ma caille adorée, cet après-midi, j'ai un rendez-vous important. Alors on y va. À bientôt, Louise. Ciao, Pierre. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, tu serais pas un petit peu amoureux de Bénédicte par hasard? Moi, amoureux de Bénédicte? Et à quoi tu vois ça? Parce que t'as les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent, moi. Oui.